Salut tout le monde, c'est MacDarch. Je vais lancer ici une petite émission qui me tient à cœur, car je souhaite parler de façon régulière de l'actualité des jeux de stratégie. Le genre étant quelque peu en berne depuis quelques années, c'est malgré tout un des grands classiques du jeu vidéo, et je ferai un hors-série ultérieurement pour raconter les origines du genre. Quand je parle de jeux de stratégie, je parle évidemment au sens large, parce que si je devais me limiter au seul RTS, la vidéo serait malheureusement très vite bouclée de nos jours. Non, je vais parler ici de RTS, de tour par tour, et éventuellement d'autres sous-genres de la catégorie. Je me répète, mais c'est ici un peu l'épisode 0 des futures actualités que je suivrai. Ici, je vais surtout vous présenter les jeux du moment, ceux qui fonctionnent en ce premier trimestre 2017, ou voire la fin 2016. Et ensuite, je vais vous parler des jeux à venir prochainement, ou voire très très prochainement, ou alors ceux qui viennent tout juste de sortir. Je vais essayer de rendre cette petite série régulière de façon à pouvoir en sortir un épisode par mois pour suivre l'actualité du moment. Évidemment, avec les impératifs de la vie, c'est pas toujours évident de tenir tous les engagements. Mais je m'y efforcerai tout de même. Si maintenant le principe vous plaît, si vous aimez ce genre de jeu et que vous aimerez suivre l'actualité, voir un petit peu ce qui arrive, ce qui est prévu, les annonces, les patchs, les mises à jour, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo. C'est comme ça que ça marchera et que ça me motivera pour faire ce genre de contenu. On ne peut pas parler du genre jeu de stratégie sans prendre la référence actuelle du genre, Starcraft 2. Le monstre de Blizzard continue d'être le seul représentant du genre sur les scènes d'e-sport professionnelles, avec bien entendu son frère aîné, Starcraft 1er du nom, qui vient d'ailleurs de profiter d'une mise à jour toute récente, la première depuis de nombreuses années. Sûrement pour relancer un petit peu la hype autour du jeu, car dans les prochains mois, une version remasterisée va voir le jour. Starcraft 2 est donc devenu un incontournable du genre. La preuve en est qu'à chaque sortie d'un nouveau RTS, il est de toute façon comparé à Starcraft 2. Je pense que celui-ci a encore de très beaux jours devant lui, et si vous voulez rejoindre la communauté maintenant, bon, vous aurez juste un retard au niveau, mais c'est tout à fait possible et tout à fait envisageable de s'intégrer dans ce groupe très fermé que sont les joueurs de Starcraft. Ensuite, au niveau des gros calibres, on retrouve la licence Total War avec leur dernier titre en date, Total War Warhammer. La licence de Sega a fait un gros virage dans son orientation en s'associant avec Game Workshop aux grandes dames des amateurs de jeux de stratégie historique. Ceux-ci ont vu leur titre phare se détourner complètement d'eux. Et malgré l'espoir qu'ils avaient de revoir leur licence Total War retournée vers de l'historique pour le prochain opus, il n'en sera rien, car Sega a annoncé la sortie de Total War Warhammer 2 pour le courant de l'année, avec pour idée d'en faire 3 au total qui pourraient se lier entre eux dans une vaste campagne. Pour le moment, le jeu nous offre de nombreuses races jouables avec chacune un gameplay fort différent. On passe des nains avec leur artillerie qui se planque dans leur coin, aux bretoniens qui montent leurs destriers caparaçonnés. On passe aussi par les morts vivants et les elfes sylvains, chacune ayant des particularités de gameplay très spécifiques à leur race. Avec Total War Warhammer 2, ce sont les O-Elfes, les Elfes Noirs et les Hommes Lézards, avec probablement d'ailleurs les Skaven suite à un petit teaser en fin de vidéo de présentation, qui devront rejoindre le casting du jeu de Sega. Pour ceux qui ne connaissent pas la licence Total War, le jeu se divise en deux temps. Il y a une partie tour par tour qui est en fait la campagne du jeu, et ensuite, pour ce qui concerne les combats entre les armées, c'est de la stratégie en temps réel. Malgré certaines critiques, qui au final sont plus à l'égard de Warhammer que de la licence Total War en elle-même, le jeu reste l'aboutissement d'une longue série de jeux Total War et possède l'acquis de tous ses prédécesseurs. C'est clairement le jeu le plus abouti de la licence à ce jour. Et pour ceux pour qui l'univers de Warhammer ne les rebute pas, je vous le dis clairement, foncez dessus, c'est un excellent jeu. Le plus gros défaut du jeu, c'est qu'au niveau de chaque ajout de contenu, il faudra repasser au portefeuille. La politique de DLC payant de Sega est vraiment, vraiment, vraiment abusée. Restons dans le même univers avec le Blood Bowl 2 de Cyanide. Ce jeu est un ovni sur PC car il s'agit de la mise en numérique d'un jeu de plateau tel qu'il est dans sa réalité. Le jeu fonctionne très bien et possède une très vaste communauté de joueurs actifs dans le monde. Bon, Cyanide, à la star de Sega avec Total War Warhammer, profite un petit peu de sa communauté fidèle pour nous vendre des extensions et des équipes payantes au niveau du jeu, voire même carrément un nouveau jeu. Car quand Blood Bowl 2 est sorti, le premier était toujours très actif et possédait bien plus d'équipes que le Blood Bowl 2 à sa sortie. Ce n'est qu'au jour d'aujourd'hui que Blood Bowl 2 prend petit à petit l'avance sur son aîné et qu'il arrive enfin à s'imposer sur PC.
Il faut savoir que la licence Blood Bowl avait complètement été jetée aux orties par Game Workshop, et devant la popularité du jeu, bon, je ne pense pas qu'un seul officiel de Game Workshop l'avouera un jour, mais devant la popularité du jeu sur le PC, ils ont décidé de rééditer le jeu de plateau de façon officielle, ce qui n'était plus arrivé depuis au moins 15 ans. Bref, on a ici un jeu de plateau au tour par tour qui demande une certaine dose de réflexion pour s'imposer. Et il faut bien l'avouer, d'un brin de chance, étant donné que la plupart des actions se déroulent avec un résultat sur un lancer de dés. Bref, c'est un excellent jeu que je vous invite à découvrir via sa communauté. Je mettrai des liens dans la description de la vidéo pour en savoir plus. Parlons un peu d'un autre jeu de stratégie au tour par tour, parlons donc de Civilization 6, qui a réussi à éclipser son prédécesseur. Alors que le 5 avait été fort critiqué par ses manquements à sa sortie, du moins avant l'arrivée des extensions qui ont comblé ce vide, Civilization 6 est sorti avec tout ce qu'attendait le joueur de cette franchise. La seule véritable critique qui a été évoquée au niveau de la sortie du jeu, c'est son aspect graphique, légèrement plus cartoon, qui a pu déranger les habitués de la licence. On a donc ici un jeu fort complet qui a pris tous les acquis de son prédécesseur, et qui a rajouté toute une série de petites améliorations pour améliorer un petit peu le gameplay. On peut notamment citer l'apparition des quartiers qui force le joueur à devoir gérer un peu mieux ses villes qu'auparavant. Les différentes possibilités de victoire sont toujours présentes et permettent de varier le gameplay sur les différentes parties. La faiblesse du titre est peut-être toujours dans la gestion de sa diplomatie, mais ça sera vraiment chercher la petite bête tant Civilization 6 est sûrement le titre de la franchise qui est le plus complet au jour de sa sortie. De plus, le jeu est très bien suivi par ses développeurs. Ce printemps, une mise à jour incluant deux nouvelles civilisations, dont les Perses menées par ces Russes, va arriver, ainsi que les habituelles mises à jour d'équilibrage du jeu. Bref, un très bon jeu que je vous conseille vivement. Continuons d'évoluer vers les jeux de stratégie de plus en plus compliqués, en parlant ici d'Europa Universalis. C'est un genre très à part, car à l'instar de son demi-frère Crusader Kings 2, Europa Universalis est complexe, très complexe. Mais une fois que la bête est maîtrisée, on a affaire ici au jeu le plus complet du genre, je pense, jamais réalisé. Et les amateurs du genre ne s'y sont pas trompés, car avec le succès mérité du titre qui est sorti en 2013 à l'origine, il compte à ce jour pas moins de 10 extensions qui apportent chacune des nouveautés et du gameplay au jeu de Paradox. Et entre ces 10 extensions, on peut voir aussi que de nombreux DLC sont sortis, apportant pour la plupart de l'équilibrage et des skills pour les différentes nations du jeu. Contrairement à ce que le titre pourrait évoquer, le jeu ne se contente pas de se limiter à l'Europe. En effet, avec les extensions, on découvre aussi l'Amérique et on gère aussi toute une partie de l'Asie orientale. Je parle d'Europa Universalis, mais j'aurais pu aussi citer Crusader Kings 2 ou Earth of Irons qui sont aussi des jeux Paradox qui sont dans la même veine. Mais Europa Universalis possède sûrement la plus vaste communauté de fans au niveau des jeux Paradox. Firaxis s'installe aussi dans les valeurs sûres du genre avec leur jeu XCOM 2, sorti il y a un peu plus d'un an maintenant. XCOM 2 est un jeu de stratégie au tour par tour où l'on joue une organisation qui lutte contre des envahisseurs extraterrestres. Le synopsis de ce second épisode efface complètement la fin du premier opus, où l'on avait triomphé des envahisseurs. Ici, les extraterrestres se sont installés et promettent monts et merveilles à une humanité qui n'a pas trop le choix que de collaborer. On est donc à la tête d'une organisation de parias qui essaye de voir clair dans le jeu des extraterrestres. Personnellement, je suis un peu resté sur ma faim avec cet épisode. Le premier m'avait beaucoup plus séduit, mais c'est vraiment une question de goût personnel par rapport à l'histoire et par rapport à l'évolution du scénario général. Parce que le jeu en lui-même, il est totalement dans la lignée du premier, avec des bonnes améliorations d'ailleurs par rapport à celui-ci. Par contre, le jeu n'est pas beaucoup suivi. Le dernier DLC date déjà de mai 2016, et malgré le succès du jeu, on ne voit pas beaucoup d'annonces qui sortent par rapport à celui-ci. Maintenant, il y a peut-être une extension en préparation, il y a même de fortes chances que ce soit le cas. On essaiera de se tenir au courant dans les prochains mois. Comme vous allez pouvoir le constater avec le prochain jeu, Paradox est tout de même une valeur sûre au niveau des jeux de stratégie en général. On va parler ici de Stellaris, sorti il y a un an et qui est un 4X spatial qui est une excellente porte d'entrée pour tous les néophytes du genre. Il met le joueur aux commandes d'une civilisation qui vient de découvrir le voyage interstellaire et qui a donc de ce fait rejoint le club très fermé des peuples qui souhaitent agrandir leur territoire, souvent au détriment des autres. Ou alors c'est peut-être une caractéristique typiquement humaine, mais cela je vous renverrai au cours de philosophie pour en savoir plus.
La plus grosse critique, totalement personnelle je vous rassure, que je peux faire au niveau du jeu, est qu'il est très frustrant, arrivé à un certain niveau, de devoir déléguer des tâches de la gestion de son empire à l'IA. Et même si le jeu est en somme toute assez complexe, après tout c'est un 4X spatial, c'est peut-être le jeu le plus abordable de la collection de titres Paradox. De plus, il vient de recevoir sa première extension, Utopia, qui rajoute diverses choses au jeu, telles que le fait de devoir façonner l'avenir de votre civilisation, lui donner une orientation à long terme, si vous préférez. Comme par exemple devoir évoluer sous une forme de vie supérieure, ou bien passer dans l'entière cybernétisation. En parallèle à cette première extension, un gros DLC est sorti et il améliore clairement le mid-game avec un système de politique beaucoup plus poussé, ce qui faisait cruellement défaut au jeu jusqu'à aujourd'hui. Bref, d'un point de vue personnel, Stellaris est un bon jeu, mais il lui manque encore un petit quelque chose pour pouvoir vraiment s'imposer dans le genre. À côté de tous ces noms un petit peu ronflants du genre de jeu de stratégie que je viens de vous citer, je vous invite à jeter un œil à deux autres jeux qui sont des outsiders dans le genre. Le premier, c'est Shadow Tactics Blades of the Shogun, produit par Mimimi Productions. C'est un jeune studio allemand qui fait ici un petit peu de nécromancie pour ressusciter un sous-genre du jeu de stratégie, le Commando-like, en honneur du jeu Commando sorti au début des années 2000. Le jeu se joue exclusivement en solo, ce qui le rend peut-être un petit peu atypique par rapport aux autres jeux que j'ai présentés dans cette vidéo. Néanmoins, il ne faut pas s'arrêter sur ce petit détail, de peur de passer à côté d'un petit bijou. Le jeu nous place au début de l'ère Edo, au XVIIe siècle pour être plus précis. La période est assez trouble, car le pouvoir du Shogun y est encore assez fragile. On dirige 5 acolytes, qui sont aux ordres du Shogun et qui essayent d'asseoir son hégémonie sur le Japon. Les 5 personnages que vous contrôlez à tour de rôle à travers les missions que vous donne le Shogun, ont des capacités complémentaires. Certains pourraient dire qu'il s'agit d'une vulgaire copie du jeu Commando, mais les développeurs ne cachent absolument pas leur référence à ce jeu. Ils le disent même haut et fort qu'il s'agit ici d'un illustre hommage, et Shadow Tactics Blade of the Shogun est vraiment l'illustre héritier de la franchise Commando. L'autre Outsiders que je voulais évoquer dans cette vidéo, c'est Halo Wars 2, qui est un pur jeu de stratégie temps réel dans la dénomination classique du genre. Le premier opus qui était sorti sur Xbox avait connu son petit succès, sûrement grâce au fait qu'il n'y avait pas de réelle concurrence dans son genre. Mais pas que, parce que le titre avait de nombreuses qualités. Ce second opus est donc sorti tout récemment, mais il n'est malgré tout passé assez inaperçu, car je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un manque de communication qui s'est fait autour du jeu. Le gros point fort du jeu, c'est clairement sa campagne solo. En effet, l'histoire est vraiment haletante, et elle tient vraiment bien son rôle pour renforcer le lore du jeu, ou plutôt le lore de la franchise. Le multijoueur aussi est intéressant, surtout à partir du 2v2 ou du 3v3, car la complémentarité des joueurs offre de nombreuses possibilités. La plus grosse critique qu'on pourrait faire au jeu, c'est peut-être son trop gros classicisme au niveau du genre. Pour pallier à cette critique, les développeurs ont installé un mode Blitz, à côté du mode escarmouche classique donc, qui permet en fait de zapper le début des phases de construction d'escarmouche, c'est-à-dire la construction des bases, et directement entrer dans le vif du sujet avec les luttes entre les unités. Bref, on a ici un jeu qui mériterait d'être plus connu, et qui avec peut-être un peu plus de communication aurait peut-être pu s'installer dans la catégorie Ténor, plutôt que dans la catégorie des Outsiders. Dans les titres à venir prochainement, je vais commencer par parler d'Endless Space 2, un autre jeu de 4X spatial, le genre étant assez en vogue actuellement. Le titre développé par Amplitude Studio, un studio français, fait partie de la grosse franchise d'Endless qu'ils développent à travers leurs différents jeux, et qui possèdent ensemble un lore commun. Je le mets dans la section à venir prochainement, car même s'il est disponible en accès anticipé et que le jeu est très très complet au jour d'aujourd'hui, il y a encore du contenu qui arrive régulièrement et le jeu sortira officiellement au mois de mai. Et il a clairement pour ambition de vouloir s'installer comme référence du genre, et clairement il en a les moyens. Amplitude Studio possède déjà ce super pouvoir d'être extrêmement à l'écoute de sa communauté, et le jeu se bonifie de jour en jour, vraiment 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 dans le bon sens. Ils ont annoncé un total de 8 factions dans le jeu, 8 factions jouables, et certaines d'entre elles promettent bien des surprises, avec du gameplay très particulier pour certaines d'entre elles. Petite dédicace à la faction Rhythmvent qui est arrivée le mois passé, en mars donc, et qui possède le pouvoir de contrôler le temps. Bref, si vous cherchez un jeu qui arrive et qui voulait être à la pointe de l'actualité, ce jeu pourrait vraiment bien faire l'affaire. On
on va parler maintenant d'un jeu un peu plus modeste, mais lui aussi produit par un studio français, Northgard. Mais si le jeu se veut modeste, il n'est pourtant pas dénué d'intérêt. En effet, il apporte même un petit vent de fraîcheur dans le monde du RTS en temps réel, ce qui au jour d'aujourd'hui n'est pas un luxe. Le jeu est développé par Shiro Games et est dispo en accès anticipé depuis le mois de février. Il nous met aux commandes d'un peuple de vikings qui vont devoir lutter pour la suprématie de leur clan sur une nouvelle île qu'ils viennent de découvrir qui s'appelle Northgard. Plusieurs clans sont déjà présents dans l'accès anticipé, d'autres sont annoncés pour la sortie, mais chacun possède un gameplay fort différent qui permet d'avoir une certaine rejouabilité par rapport aux différents clans qu'on choisira. Certains seront plus belliqueux, d'autres sont plus axés sur l'exploration, ou d'autres encore sur le commerce. Le gameplay du jeu est vraiment un mélange de classique et d'innovation. En prenant par exemple la gestion des ressources, il y a donc une gestion tout à fait classique du bois et autres ressources habituelles, mais il y a aussi la gestion du temps et des saisons qui se passent, et donc par exemple pour le bois, il faut prévoir qu'en hiver il y aura plus de consommation, qu'il y aura aussi plus de consommation de nourriture et donc moins de production. Il faut donc prévoir assez de stock pour pouvoir passer l'hiver. Et ceci n'est qu'un petit exemple des innovations que l'on peut trouver à travers le jeu. J'ai réalisé un vidéo test du jeu d'ailleurs dans ma page YouTube que je vous invite à aller voir pour avoir de plus amples informations. Et pour finir cet épisode d'introduction, difficile de ne pas parler du gros titre du mois d'avril avec l'arrivée imminente de Warhammer 40 000: Dawn of War 3. Et ce qu'on peut dire du titre au jour d'aujourd'hui, c'est que son gameplay change encore une fois. En effet, entre le premier épisode et le second, il y avait déjà eu un clivage de la communauté, tant les deux jeux étaient vraiment différents au niveau de leur approche. Gestion de la base pour le premier, plus une gestion d'unité pour le second. Relic Entertainment tente de concilier les deux communautés en mélangeant les deux approches. Et on peut dire que le mélange des deux genres fonctionne assez bien, comme on a pu le constater lors de la bêta ouverte du week-end dernier. Néanmoins, la gestion de la base demande un certain doigté que je ne possède pas, comme ont pu le constater les viewers qui m'ont regardé jouer sur Twitch tout le week-end. On pourrait peut-être dire que le bémol du jeu pourrait être le manque de factions disponibles à la sortie, seulement 3, c'est-à-dire les Space Marines, les Orcs et les Eldar, mais au final, cela se situe très bien par rapport à la moyenne générale des jeux du même genre qui sont disponibles actuellement sur le marché. De plus, on l'a pu voir lors des éditions précédentes que chaque extension apportera sa petite race supplémentaire, voire deux races supplémentaires. La bêta a aussi permis de voir aussi quelques petits soucis d'équilibrage qui devront être mis à jour d'ici la sortie du jeu le 27 avril prochain. J'ai aussi hâte de mettre la main sur la campagne solo du jeu, car le lore me semble bien sanglant, et la curiosité me titille d'en savoir beaucoup plus à ce sujet. A cet effet, je vais conclure en vous laissant la bande annonce du jeu, mais avant, je vous invite, si la vidéo vous a plu, de vous abonner à ma chaîne, de me rejoindre sur Facebook et Twitter que vous pourrez trouver dans la description de la vidéo, et peut-être à tout bientôt sur Twitch ou sur un autre support. Je vous dis à bientôt pour le véritable premier épisode de l'actualité des jeux de stratégie. Bye bye la communauté! In darkness, I shall be light. In times of doubt, I shall keep faith. Of rage, I shall hone my craft.
in vengeance. I shall have no mercy. I shall have no remorse.